Un certain nombre d'entre vous se demandent sans doute ce qui se cache derrière cette notion de style d'apprentissage. Tous les formateurs savent plus ou moins que les apprenants n'ont pas la même manière d'apprendre, qu'ils se reconnaissent plus ou moins dans les modalités d'apprentissage qui leur sont proposées. Rappelons-nous par exemple ce que disait le stagiaire de peinture sur la formation par l'action. Et je trouve que finalement c'est peut-être plus enrichissant de commettre des erreurs au début. Ça permet de justement s'améliorer. C'est comme la coupe de verre, hein. On ne la réussit pas toujours du premier coup. Puis c'est pas parce que la première fois qu'on va en faire, on la réussit du premier coup, que la fois suivante, on n'en encassera pas trois ou quatre avant de réussir notre coupe. Hein. On aime bien savoir si c'est bien ou mal fait, et si c'est mal fait, savoir pourquoi, pour apprendre la bonne façon, pour pouvoir s'améliorer. Voilà une stagiaire qui n'a pas peur de l'erreur, qui n'a pas peur des difficultés de l'action, mais qui en même temps a besoin d'être rassurée, réconfortée. Voyons ce qu'en pense Gérard Devecchi. Voilà. Bon, il y a des gens qui, par exemple, qui sont très, très, très dépendants du contexte dans lequel ils sont. Ils ont besoin d'être guidés. Il y en a d'autres qui ne supportent pas d'être guidés, ils préfèrent être dans une démarche de recherche où on leur fiche la paix. Chaque fois qu'on vient les aider, ça les ennuie parce que ça les empêche de suivre leur démarche. Gérard Devecchi assure la formation des enseignants dans un IUFM. Et il a écrit plusieurs ouvrages qui montrent son intérêt pour la différenciation des pratiques pédagogiques. Dans cette émission, nous ferons plusieurs fois appel à lui pour nous apporter des éclairages qui nous semblent intéressants. Les stagiaires techniciens-maîtreurs nous ont également parlé de ce qu'ils aimaient et de ce qu'ils n'aimaient pas. J'aime bien la liberté dans le travail aussi, quoi. Oui. J'aime bien une forme de liberté, de pouvoir justement décider, d'avoir des responsabilités, etc. C'est ce que j'aime dans le travail en général, quoi. Est-ce que vous préférez qu'on vous donne des consignes précises pour jalonner votre travail, ou est-ce que vous préférez qu'on vous donne un truc d'ensemble à faire et Non, je préfère un ensemble, largement. J'aime pas les consignes précises, quoi. J'aime pas les murs, je préfère les ouvertures, quoi, d'esprit en général, quoi. Autrement, par exemple, est-ce que vous travaillez beaucoup avec les autres, ou est-ce que vous préférez travailler tout seul dans votre coin, ou... Non, j'aime bien la communication, j'aime bien travailler avec les autres. Et le fait d'être avec des collègues qui, eux, sont du bâtiment, certains étaient charpentiers ou menuisiers, oui, etc. Est-ce que c'est important ou... Bien sûr, ils sont tous disponibles d'ailleurs. J'arrête pas de poser des questions, c'est même un peu trop parfois. Mais j'ai besoin d'être aidé. Et vous, ça vous gêne d'être obligé de leur poser la question, ou vous aimez bien ça? Non, ça me gêne. Franchement, ça me gêne. Vous auriez préféré pouvoir vous débrouiller tout seul? Tout à fait. Être beaucoup plus autonome dans mon apprentissage, oui, certainement. C'est vrai que l'auto-formation, c'est motivant, parce qu'on est obligé de travailler, quoi. On est obligé de s'obliger soi-même à travailler. Mais bon, ce qui serait bien aussi, parce que bon, des fois, on n'est pas aussi des mêmes niveaux, il y a des gens qui ont besoin de plus d'explications que d'autres. Donc, ça serait bien aussi qu'il y ait un peu une période de méthode traditionnelle qui vienne suppléer pour aider les personnes. On apprend beaucoup de choses en peu de temps, on a une sorte de pression. Bon, je trouve que c'est difficile. Enfin, pour moi, c'est difficile, c'est vrai. Je ne connaissais pas du tout l'auto-formation. Hein. Certains, effectivement, se raccrocheront plus facilement à ce que dit le formateur plutôt que auront plus de facilité à apprendre des choses qui seront effectivement énoncées par une personne, par un formateur, plutôt que d'aller chercher des informations dans un cours, une notice technique qu'il devra synthétiser, hein, alors que le discours du formateur est déjà souvent synthétique. Comment aime-t-il apprendre ? Chez les techniciens maîtreurs, on sent une certaine ambiguïté. L'auto-formation, c'est bien, mais le cours traditionnel, c'est pas mal. Surtout, il y a beaucoup à apprendre. La formation est dense. Parfois, il y a un saut important à faire. Parfois aussi, les stagiaires sont éloignés, exilés loin de leur famille, et l'emploi est parfois aussi incertain. Daniel Chartier a beaucoup travaillé sur cette question des styles d'apprentissage, notamment en créant des outils diagnostiques que nous découvrirons dans la dernière partie de l'émission. Il est donc temps maintenant de regarder les rubriques méthodologiques portant sur les styles d'apprentissage.
Lorsqu'une personne se trouve dans une situation où elle doit apprendre pour approfondir ses connaissances théoriques ou acquérir des savoir-faire, c'est l'ensemble de sa personnalité qu'elle investit. Ses caractéristiques individuelles entrent en interaction avec la situation d'apprentissage. Il n'est donc pas étonnant de constater que des personnes différentes n'apprennent pas toutes de la même façon. Ce sont ces manières d'apprendre que l'on désigne par le concept de style d'apprentissage. Bien que les personnes se différencient les unes des autres de multiples façons, il a été possible de repérer les dimensions les plus importantes expliquant ces différentes manières d'apprendre. On peut distinguer trois grands domaines dans lesquels les personnes se différencient. Le fonctionnement cognitif, la motivation, le domaine socio-affectif. Un des points où l'on repère le plus facilement les différences entre les personnes est celui du fonctionnement cognitif. Un des points les plus connus de ce fonctionnement est ce qu'on appelle la structuration cognitive. Certaines personnes ont besoin que les informations qu'on leur présente soient très structurées, que le contenu de l'apprentissage soit décomposé en unités qui s'enchaînent logiquement, qu'on leur indique une méthode et qu'on les guide dans leur apprentissage. Ah, moi, je préférais qu'on me dise, voilà, c'est ça, et puis voilà, c'est clair au moins. Comme ça, ouais. Ça comprend tout de suite. Bah ouais, disons que moi, démonter, remonter quelque chose, trois fois de suite. Inversement, d'autres personnes préféreront choisir elles-mêmes leur démarche, organiser leur apprentissage comme elles l'entendent. Effectivement, comme on travaille là sur GESCAP, je dirais avec une liberté de travailler sur notre projet, ça me convient très bien parce que bon, bah, effectivement, on pense qu'à ça, on pense qu'à notre projet, ça nous permet de se concentrer à fond dessus. On a le temps d'aller chercher les renseignements, enfin le temps, tout est relatif parce qu'on n'a jamais assez de temps, mais effectivement, on a une certaine liberté d'action par rapport à notre projet, quoi. On parle de besoin de structuration quand l'apprenant demande à être guidé par l'organisation du contenu et par l'appui de l'enseignant. On parle de besoin d'indépendance quand le stagiaire revendique une autonomie d'action. La façon d'aborder le contenu à apprendre est une autre différenciation du fonctionnement cognitif qui joue également un rôle dans les apprentissages. Ainsi, certaines personnes préfèrent focaliser leur attention sur un seul élément à la fois. Elles ont le souci du détail et de la précision. Elles fonctionnent en partant d'exemples précis et ne généralisent qu'ensuite. D'autres personnes, en revanche, ont besoin de partir d'une vue d'ensemble de la matière à apprendre et n'envisagent le cas particulier qu'une fois qu'elles se sont fait une représentation générale de la situation. J'avais donné les consignes globales à tous des travaux à faire, avec à l'intérieur de ce travail, il y avait plusieurs étapes à réaliser, mais sans leur donner le détail des étapes. La majorité ont perçu toutes les étapes qu'il y avait à réaliser, mais l'autre personne, elle, n'a pas réalisé toutes les étapes qu'il y avait à faire. Donc je me suis aperçu qu'avec lui, il fallait que je fonctionne différemment, c'est que plutôt que de lui donner la globalité des choses, c'est rentrer dans le détail, en lui disant, voilà, il faut faire telle et telle étape pour arriver au point final. Il y a des personnes qui ont une approche synthétique très rapide. Lorsqu'ils rentrent dans un sujet, très très vite, ils se construisent une idée générale, ils arrivent très très vite à se construire un petit peu un modèle abstrait ou un pré-modèle abstrait, et tout ce qu'ils vont rencontrer à la suite, ils vont l'intégrer dans ce modèle, le remettre en cause, l'affiner, etc. Et il y en a d'autres qui ont besoin de beaucoup plus de temps avant d'arriver vers cette abstraction, qui ont une approche plus analytique que synthétique. Ils vont aller lentement, ils vont analyser les éléments les uns après les autres. Et c'est que beaucoup plus tard qu'ils vont arriver à construire des relations entre les choses et avoir ce résultat donc d'une idée abstraite. Parce qu'en fait, apprendre, ce n'est pas rester dans les détails, c'est passer du particulier à une abstraction qui permet de résoudre beaucoup plus de problèmes dans tout un tas de situations. Nouvelle. On désigne cette différenciation en parlant de besoin d'analyse d'un côté et d'un besoin de synthèse de l'autre. La prise en compte de ces différents besoins cognitifs ressentis par l'apprenant, le besoin de structuration, d'indépendance, d'analyse,
de synthèse sont tout à fait observables en situation de formation. Et on peut agir à partir de ces observations. Écoutons René, une psychologue qui travaille avec les enseignants au centre de formation du Mans, sur la prise en compte des styles d'apprentissage. Je m'occupe pas mal des techniciens du bâtiment, et je me suis rendu compte que la dimension globale et analytique était extrêmement importante. C'est-à-dire que dans ce type de formation, on a besoin de ces deux éléments, et certains stagiaires peuvent l'aborder effectivement que par un point, ce point qui est le point peut-être un peu analytique, qui va peut-être un peu gêner les apprentissages, du moins cela a été remarqué par certains enseignants. Donc on peut agir sur cette dimension. Une fois cette prise de conscience faite, il faut continuer le travail. C'est-à-dire que si on a perçu effectivement une réelle difficulté, il faut mettre en place toute une stratégie pédagogique qui va, avec l'accord bien sûr du stagiaire, ça ne se fait jamais sans, sinon ben, on n'aboutit à rien. Je crois que là, on peut mettre en place peut-être des remédiations qui, nous espérons, apporteront leurs fruits. Du point de vue cognitif, il existe d'autres éléments qui pourraient être pris en compte dans l'étude du style d'apprentissage. Par exemple, certains apprenants prennent plus ou moins systématiquement des notes sous forme de schéma quand ils suivent un cours. D'autres, à l'inverse, éprouvent le besoin, pour s'approprier un schéma, de le commenter sous forme de texte écrit. On peut penser que les premiers seront plus à l'aise dans les apprentissages reposant sur des supports figuratifs, permettant un traitement analogique, alors que les seconds seront plus à l'aise dans l'assimilation des messages verbaux qui nécessitent un traitement séquentiel. Venons-en maintenant à la motivation. On s'accorde à distinguer deux catégories de personnes. Celles pour qui ce qui compte dans l'apprentissage, c'est le jugement que les autres peuvent porter sur leur travail. Celles pour qui ce qui compte dans l'apprentissage, c'est de développer leurs compétences et qui ne sont pas préoccupées par les jugements que les autres peuvent porter sur leur travail. Les premiers ont besoin d'évaluations positives fréquentes pour progresser, alors que les seconds sont à la recherche de toutes les occasions d'apprendre sans attendre les consignes. Les premiers privilégient les apprentissages utilitaires. Les seconds ont envie de creuser ce qu'ils apprennent pour mieux le comprendre. Enfin, en ce qui concerne le domaine socio-affectif, on distingue d'une part les individus qui ont besoin pour apprendre d'échanger constamment des informations avec les autres apprenants, de confronter leur point de vue, et d'autre part, ceux qui ont besoin d'isolement pour apprendre. Cette dimension socio-affective du style d'apprentissage peut être désignée sous le terme de coopération. Les premiers seront à l'aise dans le travail de groupe, alors que les seconds seront plus à l'aise en situation de formation individualisée. En conclusion, il est important d'avoir en tête que les styles d'apprentissage ne fonctionnent pas sur le mode du tout ou rien, mais plutôt en termes de tendance. Dans un premier temps, j'aime à m'isoler, à être indépendant pour rechercher des choses, des vérités. Et ensuite, j'aime bien aussi donc, les confronter aux autres. Et donc là, donc, la coopération, la communication sont des mots-clés, quoi. Les styles ne sont pas indicateurs de performance. En effet, on peut être aussi performant en fonctionnant sur des styles différents, même si, à l'évidence, certains styles conviennent mieux à certains apprentissages ou à certaines modalités d'apprentissage. Donc tout ça, ça veut dire que les élèves, les apprenants, les adultes, les formateurs sont très différents. Et ce qui se passe, c'est que souvent, un enseignant va expliquer aux élèves comment il faut faire et il va donner des stratégies qui correspondent à ce qui fonctionne chez lui. Il apparaît important que le formateur soit capable de prendre en compte les styles d'apprentissage des apprenants en adaptant ses propres modalités pédagogiques et qu'il puisse aider parfois l'apprenant
à modifier, diversifier, enrichir ses styles d'apprentissage. C'est intéressant qu'on se regarde un petit peu dans son propre miroir, que nous, enseignants, nous disions, mais quel est le degré d'autonomie et de liberté que je laisse aux élèves ? Je veux développer l'autonomie. Qu'est-ce que je fais vraiment pour ? Et est-ce que mes méthodes pédagogiques vont dans ce sens ? Je crois que c'est un des intérêts de la méthode, justement, c'est de pouvoir varier ces différents canaux d'apprentissage. Certains, s'ils ont besoin d'approfondir les choses sur l'écrit, vont pouvoir le faire à leur rythme, et puis d'autres vont pouvoir se raccrocher au discours du formateur, à l'entretien, aux documentations qui sont à leur disposition, aller visionner une cassette vidéo. Bon, c'est cette multiplicité, qui est intéressante. Si, quand on fait un apprentissage de la lecture, on s'y prend toujours de la même manière, c'est très pauvre. Si on essaie chaque fois qu'on le peut de diversifier la manière dont on s'y prend, c'est-à-dire de demander à des élèves de faire des choses différentes, on va progressivement construire une palette beaucoup plus importante de compétences. Donc il me semble que ça, c'est beaucoup plus à développer que ce qu'on le fait aujourd'hui.